Bonjour à tous les auditeurs de VIP Radio Online.fr, la radio web de l'association RVPB. Ici Jérôme pour vous présenter avec mes collègues Jean-Claude et Jean-Louis notre chronique radio sport spéciale Rallye de Monte Carlo WRC 2016 qui est arrivée le 24 janvier à Monaco en Principauté. Nous allons donc dans cette émission en podcast retrouver en duplex depuis Monaco Jean-Claude qui était en interview avec Sébastien Ogier, le gagnant de cette édition 2016. Et ensuite, il a eu le regard également, regard d'un expert, hein, c'est le pilote Jean-Pierre Ballet qui nous a accordé donc une interview pour VIP Radio Online au micro de Jean-Claude. Voilà, je vous laisse les écouter. Donc, Sébastien Ogier et Jean-Pierre Ballet. Et ensuite, je vous retrouve juste avant de conclure cette chronique. Nous écouterons le débriefing complet de ce rallye avec les infos et les classements vus par Jean-Louis. Alors Sébastien, laquelle la plus belle victoire cette année ou les autres? Ah, elles sont toujours belles à Monte Carlo, donc elles ont toutes beaucoup de saveur et une fois de plus, elles me rendent très heureux. Bravo. Grand bravo, merci, bravo. Bonjour Jean-Claude Liénard pour VIP Radio, je suis sur le rallye de Monte Carlo avec un pilote qui a marqué son époque, qui l'a fait à plusieurs reprises et quelqu'un de très intéressant, la personne de Jean-Pierre Ballet. Et je vais lui demander un petit peu ce qu'il pense de cette édition 2016 et ce qu'il a retenu. Alors Jean-Pierre, dites-nous. Bah écoute, moi, pour moi, c'est le rallye le plus difficile. Enfin, ce sont les conditions de route que l'on peut rencontrer qui sont les plus difficiles, puisque c'est des successions de routes changeantes avec de la glace, du sec. Donc ils sont certainement partis toujours avec des pneus très soft, en slick. Et c'est vrai que gérer les plaques de glace dans ces conditions-là, on le voit d'ailleurs, le nombre de sorties de route qu'il y a eu. Mais ça reste quand même un très beau rallye. Puis ça montre quand même que les plus forts sont là. Hein. Je pense que Sébastien Ogier a encore montré sa classe. Et je crois que c'est un très grand champion. Si ce n'est peut-être actuellement, même par rapport à Sébastien Loeb, je pense qu'il est encore plus fort. Bien, et par la même occasion, comme vous avez fait des exploits durant ce rallye dans les années 80-90, dites-nous un peu ce que vous pensez de l'évolution des automobiles et du rallye actuellement. Et... Ben effectivement, quand on voit le matériel qui est en place, le coût des autos, c'est vrai que ça devient très compliqué. Hein. Moi, quand je pense qu'en 88, j'ai fait troisième au scratch avec une 205 Groupa avec un budget de 15 000 euros, tout compris, je pense que maintenant, on ne peut même pas y participer. Quoi. C'est impossible. Il n'y a aucune voiture qui peut permettre de rouler avec des budgets comme ça. Ok, ben un grand merci Jean-Pierre et un grand bravo pour ce que vous avez fait. Et toujours les passionnés sont toujours présents et c'est ce qui nous réchauffe le cœur. Au pays des Lumières et des droits de l'homme. Ils ont osé sur cette terre de France, sur cette terre d'accueil, ils ont tué en éructant le nom d'un dieu, ils ont tué. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux, que du sang et des larmes derrière eux. Au pays de Voltaire, ils ont semé la terreur. Et la douleur, ils ont tué la pensée libre et la lumière s'est éteinte sur un grand ciel noir. Ils ont tué
en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Apollinaire, sous le pont Mirabeau, coule la Seine. Ce jour maudit dans les rues de Paris, coulait la haine, coulait la haine. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Charlie, mon frère, nous sommes tous des Charlie, mon frère. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Mon frère. Nous sommes tous des Charlie. Voilà, de retour au studio. Merci Jean-Claude pour ce duplex depuis Monaco. Merci également à Sébastien Augier qui nous a accepté une petite interview. Et également l'œil du pilote Jean-Pierre Ballet pour VIP Radio. Tout de suite, je vous propose d'écouter le débriefing complet de ce Rallye Monte Carlo 2016 avec les infos et les résultats signés Jean-Louis. Bonsoir, vous êtes sur vipradioonline.fr, le journal rétrospective du Rallye Monte Carlo WRC, première manche du championnat du monde 2016 qui a eu lieu du 18 au 24 janvier dernier avec la 84e édition du Rallye Monte Carlo, appréciée des participants mais aussi des spectateurs avec de très belles journées. On a vu des paysages magnifiques, une course qui s'est déroulée très très vite, mais revenons sur le parcours pour vous présenter un petit peu tout ce programme de ce rallye, avec un début le 20 janvier à 14h où les pilotes se sont mis au point pour une séance de shakedown, 3,35 km organisée pour la première fois sur la commune de Gap, ville étape de la troisième année consécutive de ce rallye, avec un parc d'assistance situé à proximité du centre nautique. Départ officiel qui démarrait le 21 janvier, le jeudi, avec un départ place du Casino à Monte-Carlo,
championnat FIA 2016 était donc ouvert avec ce championnat du monde des rallyes de la FFIA, la FIA 2016 qui propose 14 manches du championnat du monde. Et c'est avec deux épreuves chronométrées entre Vaud, Val de Chalvagne, Rouen et Bar-le-Seine-les-Alpes que se disputait la première partie de ce rallye avec une épreuve de nuit dans le département des Alpes de Haute-Provence. Ensuite, le deuxième jour de course se déroulait au nord de Gap, entre les départements des Hautes-Alpes et de l'Isère, avec une boucle constituée de trois épreuves chronométrées, rapprochées géographiquement et à parcourir à deux reprises dans l'ordre. Voilà, alors beaucoup d'invités étaient là pour le départ, le lancement de cette saison 2016 du WRC. Tout s'est terminé après à l'hôtel de Paris au casino avec un goûter pour fêter ce départ. Départ où on notait finalement 90 concurrents et parmi le monde du sport, eh bien Caroline Wozniacki, les anciennes gloires du football, que sont Thomas Elmer, Jean-Pierre Papin et Jari Litmanen, le rugbyman international français Damien Chouli, le marcheur et recordman du monde Johan Dins ou encore Pernilla Wiberg, double championne olympique de ski. L'événement organisé par WRC Promoteur et l'Automobile Club de Monaco a eu un fort succès et puis ça a mis un petit peu d'ambiance autour de ce rallye avec bien sûr beaucoup d'anciens pilotes présents ici comme Bruno Sabi qui était ouvreur aussi de l'épreuve cette année sur une Mégane comme Jean Ragnotti et Jean-Pierre Ballet que l'on a vu aussi sur place, vous l'entendrez par l'interview qu'a pu recueillir aussi notre collègue reporter de VIP Radio Online, Jean-Claude Liénard. Alors sur la première spéciale, eh bien c'est le pilote Abu Dhabi Total Team qui était devancé par le champion du monde en titre, Sébastien Ogier. Entendez par là Chris Mekkey qui terminait le premier jour avec une courte avance de 6,9 secondes. Mekkey donnait la réplique au héros local dans le S2. Il dominait la Volkswagen pour 11 secondes au terme des 20,38 km de ce parcours. Sébastien Ogier, vous l'avez entendu sur ou lu sur nos réseaux FB de Pressadom ou Twitter, il est particulièrement attaché à ce rallye, c'est son rallye de cœur, dit-il, et il était tout à fait content de voir qu'il y avait un petit peu de concurrence autour de lui, ça ne le déplaisait pas, au contraire, ça l'a motivé. Voilà, c'était pour reprendre un petit peu ses impressions dès la première journée. Journée où la neige et le verglas étaient au rendez-vous, avec donc des routes assez piégeuses. Et c'est Andreas Mikkelsen, le coéquipier de Sébastien Ogier, qui prenait la troisième place. Le Norvégien complétait le podium devant la nouvelle Hyundai i20 WRC de Thierry Neuville, le Belge étant satisfait de cette nouvelle monture. Et que dès la première spéciale, Jari-Matti Latvala rencontrait des problèmes pour chuter à la cinquième place à la fin de l'étape. Il a heurté une petite portion de verglas, dit-il, et la voiture a glissé. Il a enfoncé le pied sur l'accélérateur, il a effleuré un pont, quelque chose qui lui a endommagé sa suspension arrière. Donc, petit problème pour Jari-Matti Latvala. Lors de la deuxième étape, Sébastien Ogier menait le rallye avec beaucoup de chance et le triple champion du monde avait repris l'avantage sur le britannique Mekkey dans la dernière spéciale après que celui-ci avait remporté l'avant-dernière de la journée du 22 janvier. Donc toujours Andreas Mikkelsen à la troisième place de ce rallye malgré un tête-à-queue dans l'épreuve 7.
Le français Sébastien Lefebvre, malgré une petite barre anti-roulis cassée et une escapade imprévue dans les champs, remportait quand même une huitième place, devant Brian Bouffier. Le pilote du Divois n'était pas dans ses toutes premières chances comme l'année passée, malheureusement. Mais voilà pour cette deuxième journée de course, ce que l'on pouvait retenir. La troisième journée était beaucoup plus rude, en tout cas pour les proches du rival de Sébastien Auger, notamment avec une abandon pour le Britannique Mekke qui tapait un débris dans l'avant-dernière spéciale, perdant le protège-carter de sa DS3 et endommageant sa boîte de vitesse. Autre abandon aussi de la journée, Jari Mariti à Latvala glissait dans un fossé, brisant le bras de suspension avant gauche de sa Polo, et malgré les réparations, il n'arrivait pas à reprendre le point de contrôle de l'épreuve spéciale suivante, et il était donc contraint à l'abandon. Mikkelsen avait quelques soucis avec ses pneumatiques, un mauvais choix lui a fait quelque part perdre sa troisième place, et c'est Neuville qui était bien placé pour rebondir derrière lui. Le Belge a remporté plus d'une minute devant le Finlandais. Les Français, toujours après deux têtes à queue, Lefebvre gardait l'avantage sur le pilote du Diwa, Brian Bouffier, dans sa lutte pour la cinquième place, alors que Bouffier cassait le bras de suspension à l'arrière gauche de sa Ford Fiesta RS. Dans l'ultime spéciale du jour, le Français utilisait une sangle pour maintenir sur la longue liaison jusqu'à Monaco, avant d'abandonner finalement. Voilà. On a également à noter la sixième place de Ott Tänak, qui devançait Dani Stordo, qui perdait 6 minutes en raison d'une suspension cassée sur la première spéciale. Vous voyez que c'était une journée assez dure. Le jour de samedi sera quand même fatal à beaucoup de personnalités de ce monde du sport automobile. Finalement, pour cette manche d'ouverture du championnat du monde des rallyes, la troisième victoire de l'équipage Gapensé, Sébastien Loeb et Ingratia Auger sur la route de Sébastien Loeb dans le championnat du monde des rallyes. Voilà pour vous dire que tout se passait autour de Gap. Gap devrait revenir prochainement sur le parcours du WRC à Monaco, mais on aura confirmation dans les prochaines semaines du nouveau parcours de ce rallye. La dernière étape, qui incluait le célèbre col du Turini, était quand même très intéressant et a permis à Sébastien Ogier d'assurer un maximum de points pour remporter la Power Stage de la saison, la première Power Stage de la saison. Notez la quatrième place de Mart Hortberg sur une Ford Fiesta, devant Stéphane Lefebvre qui signait son meilleur temps, meilleur résultat de sa carrière. Sordo est en sixième au volant de son Y20 Hyundai. Vous voyez que ce rallye a été un petit peu traduire toute l'expression d'une nouvelle série d'épreuves avec des nouvelles voitures qui viennent là renforcer la qualité de ce championnat, en tout cas qui va l'animer certainement, et on n'aura pas seulement un duel entre les Volkswagen et les Citroën DS3, on aura aussi la présence de Hyundai qui vient, je pense, reprendre. D'après Sébastien Auger, je peux vous dire que il suit ça de près parce qu'il considère que les voitures sont maintenant à un niveau égal, c'est ça lui-même qu'il a déclaré. Donc on le croit très facilement. En tout cas, nous nous retrouverons dans quelques jours à Reims pour le rallye historique de Monte-Carlo. Et bien sûr, Jean-Claude Liénard sera sur la partie Côte d'Azur. Donc nous partagerons le plaisir de vous retrouver et de vous faire suivre en direct et en différé toute la belle course que représente la course des VHC lors du Monte-Carlo historique.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de VIP Radio Online et encore de nous retrouver très souvent les mardis soirs de 21h à 22h sur www.pressadom.com si vous souhaitez entendre des commentaires de sport mécanique ou de voiture classique. Bonne soirée à vous. Merci de votre écoute.